Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause, nous voilà de retour pour un nouveau podcast. Cette semaine, on débute une série traitant des appareils accessibles permettant d'écouter la télévision ou du contenu vidéo. Cette semaine, on débute en discutant d'un produit fourni chez Amazon. Il s'agit de la Fire Stick. C'est un appareil qui se connecte directement sur votre téléviseur existant permettant de le rendre intelligent. Et la Fire Stick intègre un lecteur d'écran appelé VoiceView. Grâce à la Fire Stick, vous aurez, entre autres, accès aux contenus fournis par Amazon ou encore, par exemple, de tierces parties telles que YouTube, Netflix ou autres. Par contre, certains petits problèmes de ce côté-là, on va voir tout ça. Et ça intègre même un navigateur web. Je vous souhaite une bonne écoute. L'accessibilité des appareils euh, permettant d'écouter la télévision de façon autonome et maintenant tout le contenu en streaming euh, depuis quelques années a été un petit peu le nerf de la guerre, si je peux dire ça ici. Et euh, vraiment maintenant, euh, les appareils télévisuels deviennent de plus en plus accessibles et certains d'entre eux intègrent même des lecteurs d'écran. Et aujourd'hui, on va débuter une série qui va traiter de tout ça. On va regarder un petit peu qu ce qui est disponible sur le marché. C'est certain que maintenant, il y a beaucoup de fabricants, de constructeurs qui intègrent des lecteurs d'écran. On ne pourra pas tous les passer, c'est absolument impossible. Mais euh, par contre, on va euh, pouvoir regarder euh, les appareils les plus populaires, comment ça fonctionne, entre autres, même euh, si vous êtes intéressé avec Android TV, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Apple TV, tout ça, on va faire un espèce de petit tour d'horizon de tout ça. Et aujourd'hui, ben je souhaite commencer par un appareil qui est vraiment euh, bon marché. Ça se vend euh, si on n'a pas de rabais de disponible. Ça peut se vendre entre 40 à 60$, tout dépendant du modèle. Et euh, c'est euh, la Amazon Fire Stick. Donc, c'est un petit appareil qui vient se connecter directement sur votre téléviseur. Le rendant intelligent. C'est certain que c'est pas un téléviseur en lui-même, c'est vraiment un petit appareil qui se met derrière. Par contre, si vous souhaitez avoir un téléviseur entièrement accessible. Il existe plusieurs modèles de téléviseurs. Entre autres, moi ici, j'ai un téléviseur Sony. Euh, Samsung en fait euh, de façon accessible. De ce que j'ai vu, par contre, c'était moins euh, intéressant que ce que peut offrir Sony. Ça coûte euh, quand même un petit peu moins cher, mais c'est uniquement en anglais pour le moment. Et euh, même euh, maintenant, il existe aussi carrément les Amazon Fire TV. Donc, qui sont des télévisions Amazon, comparativement à la Fire Stick qui intègre juste, si on peut dire ça comme ça, le cerveau du téléviseur. Mais euh, la Fire TV, dans le fond, c'est vraiment un téléviseur, un écran là, qui euh, intègre aussi là, les... Les, les puces euh, Smart TV, tout ça. Et euh, autant la Fire Stick que la Fire TV sont accessibles. C'est certain que du côté d'une Fire TV, vous allez quand même la payer euh, euh, beaucoup plus cher, sachant que ben, là, c'est un écran. Mais c'est pour ça en fait que j'ai acheté la Fire Stick, parce que ça me tentait de jouer avec. Et euh, ben quoi, ça fonctionne relativement bien. Et euh, soit dit en passant. Si éventuellement vous pensez davantage opter pour la Fire TV, bien la télécommande c'est euh, considérablement la même. C'est les mêmes fonctionnalités que la Fire Stick ou euh, à quelque chose près. Donc euh, voilà pourquoi euh, j'ai décidé euh, d'aller de l'avant. Euh, ça m'intéressait de l'essayer. Donc euh, j'ai la Fire Stick avec moi. Il s'agit du modèle 4K. Deux modèles existent sur le marché, le modèle HD et le modèle 4K. Pourquoi j'ai pris le modèle 4K? C'est tout simplement pour pouvoir profiter du Dolby Digital, du Dolby Atmos, euh, sachant que j'utilise des Sonos et que cette option n'est pas disponible sur les modèles haute définition seulement. On va commencer peut-être par une petite description physique. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à une espèce de grosse euh, clé USB, mais vraiment euh, très très grosse. Euh, c'est fait en long, c'est rectangulaire. À une extrémité, il y a un port HDMI. Donc, ça vient directement se connecter dans le téléviseur, carrément. Et euh, ben dans le fond, c'est vraiment fait sur le long. Donc, pour ceux là, qui se rappellent des clés USB du début des années 2000, c'est peut-être, mettons, euh, deux ou trois fois cette grosseur-là. Euh, ça rentre quand même dans la main, dans une poche. C'est vraiment pas gros. C'est beaucoup plus petit, soit dit en passant, qu'un Apple TV. En termes de taille, c'est peut-être comparable à un Chromecast. On va en parler aussi un peu plus tard du Chromecast et de l'Apple TV, sachant que euh, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous les présenter sous euh, un point de vue de l'accessibilité. Oui, j'en ai plusieurs ici de ce côté-ci. J'ai euh, donc la télé intelligente Sony qui commence quand même à dater, mais qui fait encore très bien le travail. Euh, oui, elle date de déjà presque 4 ans maintenant. Elle commence à être vieille. J'ai euh, le Chromecast de Google. J'ai donc la Fire Stick que j'ai acheté histoire de m'amuser un petit peu avec. Surtout que je l'ai eu en rabais à 40$. J'ai euh, l'Apple TV, bien évidemment. Et j'ai aussi même trouvé des modèles de télévision qui ne sont pas des télévisions intelligentes des télévisions vraiment euh, tout simplement standard euh, à bas prix et franchement c'était quand même assez intéressant euh, considérant le prix de la télévision on parle euh, peut-être d'environ 150 200 dollars c'était vraiment euh, très très intéressant et j'en ai acheté de de ces petites télévisions là et même euh, ça peut euh, aussi servir euh, même d'écran si vous voulez connecter un ordinateur bref ça règle en fait le problème de euh, vous savez vous voulez sélectionner la source euh, de, de la source HDMI la source entre câbles HDMI euh, Etc., vous n'êtes pas capable, pourquoi? Parce que la Moses de TV n'est pas accessible. Euh, C'est une réalité au, à laquelle on fait face de plus en plus aujourd'hui, mais euh, j'ai trouvé des petites choses de ce côté-là. Donc, on pourra en parler éventuellement. Euh, voilà pour revenir à la description donc, euh, de la Firestick, donc euh, ma grosse clé USB en fait. Euh, un port HDMI à une extrémité et euh, sur le côté, dans le fond, j'ai euh, tout simplement un port micro USB. Qui permet d'alimenter le tout. Et euh, également, donc, dans la boîte, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc euh, la Fire Stick, j'ai le fil USB, donc USB à micro USB, un adaptateur, donc USB seo ou un cube de recharge, quoi. Et euh, j'ai aussi une extension, donc un HDMI femelle à HDMI mâle. Pourquoi Sachant que dans certaines situations, c'est quand même assez euh, difficile d'aller euh, brancher euh, l'espèce de grosse clé USB derrière la télé ou sur le côté. Les télés euh, sont pas tous faites pour l'accueillir. Des fois, ça ben, ça rentre pas. Donc euh, ils nous ont donné quoi un connecteur HDMI un petit peu plus petit. Et finalement, la télécommande. Pour ceux qui ont horreur des pavés tactiles, vous serez servi comparativement à la TV, qui soit dit en passant, la pôle TV, euh, c'est vraiment pas donné. Ça peut coûter facilement autour de 200 en hein, quoi? Euh, pour des fois, pas nécessairement plus, par exemple, qu'une Fire ou quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire, euh, si on parle un petit peu de, de la télécommande, euh, ah oui, par ailleurs, le boîtier vraiment là, de la Fire Stick, là, si on veut, la, la grosse clé USB, c'est en plastique rigide. Parlant de la télécommande maintenant, c'est une télécommande un petit peu comme les Apple TV quatrième euh, génération pour ceux qui peuvent connaître. Donc, c'est une télécommande euh, qui est à la fois Bluetooth et infrarouge. à noter par contre que la télécommande, elle est beaucoup plus grosse que euh, la télécommande d'une Apple TV. Euh, Je nomme souvent l'Apple TV. Pourquoi? Parce que c'est souvent une référence hein, pour, pour plusieurs d'entre vous. Là. Euh, il y a probablement beaucoup de gens qui connaissent la Pôle TV, c'est certain qu'on va euh, en parler euh, plus tard un petit peu, faire peut-être une petite présentation sans nécessairement en, en parler de long en large. Mais bref, la télécommande de la Amazon euh, Fire Stick, donc euh, c'est quoi C'est vraiment une télécommande qui est faite en long. Il n'y a pas énormément de boutons. Tout est physique, rien de tactile, encore une fois. Sous la télécommande, on a un cap donc, euh, qui contient qu'on peut en fait euh, faire coulisser. Euh, sous ce cap-là, ça contient euh, deux batteries 3A. Donc, euh, qui sont euh, d'ailleurs euh, fournies, euh, ces batteries ne sont pas rechargeables comparativement à d'autres télécommandes, évidemment, comme les Apple TV. Ceux-là, les batteries sont rechargeables. Mais en fait, moi, je pense que rendu, là, j'aime quasiment mieux que les batteries ne soient pas rechargeables. Pourquoi? Parce qu'une télécommande, ça ne bouffe pas énormément de batteries de 1 et de 2. Ben, si votre batterie de télécommande est morte, ben au moins, ceux-là, vous pouvez les changer. Les batteries intégrées dans les télécommandes, ben c'est mort. Quoi. La télécommande est en plastique ainsi que son couvert, soit dit en passant, le couvert de batterie, je le trouve euh, pas très très solide, remarqué. Disons que euh, j'ai remarqué qu'il clippait comme pas très très bien. Euh, il vient qu'il s'use quand même assez facilement. Puis d'après moi, il va juste venir par plus trop tenir. Je vais genre être obligé de le taper d'ici une coupe d'année. Bref. Au niveau du design des boutons. Euh, à quoi ça ressemble si on met l... les boutons le plus en haut possible de la télécommande, histoire qu'il y ait le plus d'espace vide possible en bas. Le premier bouton situé en haut à gauche, c'est le bouton marche arrêt, mais ce bouton-là, en réalité, une fois la Fire Stick configurée, va également permettre d'allumer votre téléviseur, généralement par infrarouge. Sous ce bouton-là, donc euh, au milieu, à midi, précisément, un bouton rond, un petit peu plus gros que le précédent, c'est le bouton permettant d'appeler Alexa. Car oui, la télécommande dispose d'un micro, un peu comme la, la télécommande de l'Apple TV, et euh, on a la possibilité de euh, piquer une jasette avec Alexa. En dessous de ça, on a euh, une grosse anneau ronde. Il s'agit de quatre flèches. Donc on a vraiment là, les flèches haut, bas, gauche, droite. Ils ne sont pas délimités par contre tactilement, mais c'est quand même euh, assez facile de s'y retrouver. Et au centre, euh, on a un bouton rond. Il s'agit de la touche si on veut valider, confirmer ou enter. En dessous, on a euh, six boutons. Donc ça ressemble pour ceux qui peuvent savoir de quoi il s'agit, une cellule by couchée. Donc de gauche à droite, on a le bouton première rangée, on a le bouton retour, le bouton accueil, il y a un point dessus et le bouton menu. La rangée d'en dessous, de gauche à droite, le bouton reculer, le bouton euh, écoute arrêt ou play pause et le bouton avancer. En dessous de ça, on a une grande touche en long qui est placée verticalement sur la télécommande. Il s'agit du contrôle du volume. Celui-ci fonctionnera uniquement lorsque votre télécommande est pointée sur votre téléviseur, sachant que le contrôle du volume fonctionne à l'aide du signal infrarouge. Et en dessous de ça, il nous reste une dernière touche ronde. Il s'agit du bouton mute, muet, sourdine, bref, qui permet tout simplement de mettre le volume à zéro rapidement. Généralement, vous pouvez tout simplement appuyer dessus. Ça va avoir comme impact soit d'activer ou de désactiver. La sourdine, voilà. C'est à ça que ça ressemble. Donc, ce que je propose qu'on fasse, c'est un petit tour d'horizon très rapide, voir que c'est utilisable, voir les différentes fonctionnalités du, du machin. Et euh, bref, c'est sûr qu'on qu ne qu passera pas au travers de la configuration complète de l'appareil, mais juste voir de quoi ça a l'air, comment ça se présente. Et euh, bref, vous donnez goût d'aller un petit peu plus loin, de l'explorer, de vous amuser avec. Etc. J'ai déjà fait la configuration initiale de la Firestick. Par contre, je vais juste vous expliquer. Si vous la sortez de la boîte, en fait, ce que vous aurez à faire, c'est de tenir enfoncé le bouton. Accueil de la télécommande pendant environ 20 secondes. Vous devriez entendre en fait euh, deux tonalités sonores. Généralement aussi, quand on branche les Fire Stick, on est censé avoir un son de démarrage. Du moins, quand je l'ai acheté, c'était ça. Je l'ai même redémarré plusieurs fois et en date d'enregistrement du podcast, donc euh, fin août 2019, allez savoir pourquoi il n'y a plus de son de démarrage, on dirait qu'une mise à jour le retiré. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous en Avez une. Branchez-la, puis attendez peut-être environ deux minutes. Et euh, bien évidemment, assurez-vous que votre téléviseur est sur la bonne source, sinon ça ne marchera pas. Et euh, vous pourrez, ensuite de ça, si ça sort de la boîte, en fait, euh, tenir la touche accueil pendant environ euh, 20 secondes. Un signal sonore devrait confirmer que la télécommande est bien jumelée. On se rappelle que la touche accueil, c'est la touche du milieu de la rangée du haut du bloc de six touches. Maintenant, pour activer Voice View, qui se trouve être le lecteur d'écran. Euh, D'ailleurs, ça va probablement vous rappeler euh, le podcast que j'avais réalisé sur la tablette Amazon Fire. Donc, pour activer notre ami Voice View, on doit tenir le bouton précédent ainsi que le bouton menu. Donc, le bouton situé en haut à gauche et en haut à droite de la série des six boutons. Qui se trouve à peu près être au milieu de la télécommande. Donc, quand on tient ces deux euh, boutons-là pendant euh, quelques instants, ça devrait démarrer. Autrement, si par exemple vous n'êtes pas certain si c'est démarré, si vous bougez les flèches, vous devriez entendre des clics comme ça. OK? Donc, euh, voilà, c'est un bon indicateur à savoir que euh, au moins votre télécommande répond. Donc, je vais démarrer VoiceView. Voice sur vue prêt, accueil, 2 sur 7. Voilà, ça y est, donc j'ai tenu là, les Utilisez deux boutons. Pendant, et pour vous déplacer euh, un, à un autre. Quelques instants, et voilà, on est prêt. Quand vous faites le, la configuration initiale, bon, vous allez avoir un, un, une explication de comment fonctionne Voice View, potentiellement une description de la télécommande, etc. Donc par défaut, j'appuie sur mon bouton accueil. Voilà, donc on m'a ramené à mon écran d'accueil. Si je me déplace vers la droite, vos vidéos, films, caps, séries, Appli 6 paramètres. Donc c'est quand même 7. assez clair. Par contre, Appli, ça permet surtout d'en acheter et non euh, de, en fait, d'ouvrir les applications que vous avez installées. Donc euh, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Maintenant, on peut descendre par exemple sous Paramètres, de Notification. un sur réseau, deux sur affichage, là, je et me son. déplace la droite, application 4 juste 4 pour aller 12. vous montrer où se trouve le tutoriel. Et de gauche et droite pour vous déplacer d'un élément euh, à l'autre. Voice View, je vous où est ce que ça se trouve en même temps que les réglages du lecteur d'écran. Contrôle de l'équipe manette et appareil Alexa, cette préférence. Ma Fire TV, accessibilité, 10 sur 12. Accessibilité, je vais cliquer. Accessibilité, sous-titres, 1 sur 4. Magnifique, donc les paramètres correspondent. Utilisez pour vous déplacer d'un élément à un autre. Voilà, si je descends. Permet de voie Sophie, 2 you. sur 4. Lecteur d'écran voix, SOVIE, voix, SOVIE, Oui, 1 sur 8. Donc oui. Vitesse de lecture 1,25x 2 sur 8. Je peux modifier la vitesse. Verbosité 3 sur 8. Les options de verbosité? Volume de la voix identique au volume système. 4 sur 8. C'est assez clair. Volume du son idécores touche. Caractère 6 sur. Niveau de ponctuation faible. 7 sur 8. 8 sur 8. Et si vous avez besoin. En savoir plus sur l'utilisation du lecteur d'écran. Ça se trouve ici. Je vais quand même vous expliquer au fur et à mesure les petites fonctions du lecteur d'écran et comment ça fonctionne euh, tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'on va faire vraiment un gros tour d'horizon. On rentrera pas dans tous les menus détails, mais quand même, ça vous donnera une bonne idée de, du genre d'action qui peut être faite avec la, 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 la FireStick. Alors euh, voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on retourne à l'accueil. Évidemment, on peut le faire de plusieurs façons. Appuyez sur le bouton de retour qui se situe en haut à gauche des six boutons plusieurs fois, ou tout simplement appuyer sur le bouton accueil qui est au, en haut et au centre qui, con, qui euh, contient un point. J'appuie dessus. Accueil. Deux sur 7 Et voilà, donc euh, j'y suis. Utilisez gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Maintenant, si euh, vous n'avez pas le goût de vous casser la tête, c'est possible en fait de tout simplement demander quelque chose à Alexa. Donc, si j'appuie et que je maintiens le bouton du microphone, euh, qui se trouve être le bouton euh, rond situé en haut à midi, donc au-dessus de la flèche du haut. Donc, euh, pendant que je parle, je dois maintenir. Quelle température fait-il? en ce moment, il fait 21 degrés celsius. ce soir, attendez-vous à une température minimale de 14 degrés. Ben voilà, tout simplement, et euh, par exemple, on pourrait demander... Euh, écoute elvis presley sur amazon music. lecture aléatoire des chansons par elvis presley sur amazon music. Yeah. Okay. Voilà, donc là, j'ai coupé, j'ai appuyé sur le bouton lecture pause qui se situe dans la rangée inférieure du bloc de six boutons. C'est le bouton au milieu. Donc là, par exemple, je pourrais tout simplement réappuyer dessus. Et par exemple, je vais poser deux petites secondes. Je pourrais également, par exemple, aussi probablement avancer à la piste suivante avec le bouton avance rapide ou retour. Je vais l'essayer, je vais repartir et je vais tout de suite appuyer dessus. Exactement. Donc là, ça avance. Et je peux reculer. Même chose. Ah OK vu que OK je comprends qu'est-ce qui s'est passé c'est que vu que la musique est en mode aléatoire, j'ai comme l'impression qu'il conserve pas en fait euh, l'ordre de la lecture. Oui, des fois c'est j'ai déjà vu ça avec Amazon On demande euh, par exemple à, à mot magique euh, qui soit 100%. passant Alexa. Euh mon magique des fois on lui demande de reculer puis à nous part quand même euh, quelque chose de complètement différent. Ouais, j'ai j'ai déjà vu ça. Voilà, donc euh, ça peut être aussi simple que ça. Ou même je pense même qu'Alexa serait même en mesure de nous trouver du contenu sur YouTube. Je vais même l'essayer pour le fun. Écoutez caméra café sur YouTube. Je vais l'obtenir sur YouTube. Et voilà. Donc c'est même en train de me chercher mes vidéos. Interrompre. Technoflex a déposé le bilan. 247 emplois ah bon, ouais. sur le carreau, ça va faire des drames, ça. Hein? Il m'a pas, parti, euh, euh, lire, pas parti ce que je souhaitais, lire. parce que j'ai quand même été très très vague, mais euh, il m'a quand même parti un, une série européenne de caméras café quoi. Donc euh, pour un utilisateur qui a de la difficulté à utiliser la télécommande, si vous trouvez ça trop complexe, ben c'est certain qu'avec un seul bouton, ben vous avez quand même la possibilité d'en faire beaucoup. Et euh, c'est Alexa. C'est même souvent beaucoup plus compétent que par exemple Siri euh, de Apple euh, pour certaines choses. Bien qu'on soit en français, c'est certain qu'Alexa est beaucoup plus compétente euh, en anglais de ce côté-là. Mais bon. Puis, euh, même avec la Fire Stick, vous pouvez même, euh, par exemple, faire appel à vos skills Alexa si vous en avez. Par exemple, euh, ouvrir Uber. Il y a une voiture UberX, à huit minutes de votre domicile Uber. Voulez-vous que je la commande? Non. D'accord. Souhaitez-vous écouter plus d'options? Oui. À chaque fois, je repasse le micro. skill Uber peut vous aider à commander une course, vérifier le statut de votre course ou annuler une course. Un UberX sera proposé par défaut, mais vous pouvez demander un type de véhicule différent si vous le souhaitez. Essayez de dire, commande un X. Elle, où est mon véhicule? Que puis-je faire pour vous? Bref, euh, tout simplement, avec la télécommande et la Fire Stick reliée à ma télévision, ça fonctionne. Euh, là, je ne commanderai absolument rien ici, mais c'est le même principe qu'avec les échos les haut-parleurs éco tout simplement. Voilà, donc, euh, ça, ça démontre pour Alexa. J'entendais je l'écran d'accueil. J'appuie sur le bouton d'accueil. Accueil, 2 sur 7. Magnifique. Maintenant, ce qu'on va gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Je vais euh, tout simplement, en fait, aller vous montrer euh, rapidement quelques applications qui peuvent être utilisées. Je Go demain de 1 sur 6. OK. Récent, Récent, YouTube. A passé, ce sont. Utiliser les boutons web pour parcourir les films. catégories telles que nouveautés ou comédies. Utiliser les boutons gauche et droite pour parcourir les éléments d'une catégorie. OK. En fait, YouTube. ce, ce qu'on a entendu, c'est euh, juste avant, ce sont des bandes annonces. Donc, quand on est sur accueil, si on fait juste descendre, on a une genre de série de bandes annonces de films euh, disponibles, par exemple, sur Crave, sur Netflix, sur euh, Amazon Prime, etc. Donc, c'est là. Ensuite, on a les applications récemment utilisées. Et si je descends? Vos applis de jeu, jeux. Prime vidéo. Donc là, ici, prime je vidéo. me retrouve dans ma liste d'applications installées. Donc, grave. Là, ce que je vais faire, je vais me tasser vers la droite. YouTube. CTV. DAZN. Twitch. livestria Multiplayer Gaming. Esport. Amazon Photo. Amazon Music. Donc, par exemple, Amazon, Amazon music, music fonctionne très notre... bien. Je vais rentrer dedans. vos app parcourir. Voilà, donc euh, par exemple, je peux euh, avancer ma musique. avec la flèche vers la droite, rechercher paramètres. Bon, mais on va Recher dans ma, ma musique, musique. artiste ah, un, un album, liste de lecture, récemment ajoutée. un. Bon, un. c'est sûr que la voix française de Voice View est pas très très belle, malheureusement pour le moment, il n'y a pas de possibilité de la changer. Genre, Adulcon, tous les titres, Bad bon, ben, Alove, 1 sur 10, Barcelona Nights, Barrio Arts, Bolivet, Imagine Dragon, 3... Ben, on va à ça, Bolivay, Imagine Dragon, donc, tous les Je peux vraiment euh, gérer ma bibliothèque musicale de cette façon-là. Je vais juste baisser un petit peu le son. Et euh, donc, voilà, ça permet vraiment là, de d'avoir accès euh, complet à sa bibliothèque. Voilà. Je vais mettre en pause, euh, encore une fois avec le bouton. En bas au milieu, je peux également avancer de piste, même chose. Donc voilà, ça vient d'avancer de piste. Donc on voit, euh, voilà, encore j'ai avancé. Donc on voit que c'est quand même vraiment euh, accessible, que c'est fonctionnel. Malheureusement, euh, pour information, Spotify est également disponible. Euh, sur euh, la Fire Stick par contre euh, d'où le malheureusement c'est pas euh, utilisable à ce moment-ci avec euh, Voice View donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là par contre si vous disposez euh, de on va dire euh, un téléphone muni de Spotify, donc par exemple un iPhone, un Android. Vous aurez la possibilité, par contre, de facilement envoyer la, la musique que vous écoutez directement sur votre téléviseur. Voilà, je vais arrêter ça. Et là, par exemple, si on explore l'écran avec les flèches, répétez tout le titre. Titre précédent. Lecture. Titre suivant. Activez la lecture aléatoire. Bouton. Plus d'options. Bouton. Euh, puis probablement qu'à quelque part aussi, j'ai la accessible. chanson qui jouait Lecture. Euh, non, c'est vrai. En fait, euh, bien y penser, je pense qu'elle ne sera pas visible dans l'écran avec les flèches. Ça va euh, nécessiter, en fait, d'appuyer sur la touche menu. Avec Voice View », il y a euh, dans le fond, quand on appuie sur Menu, ça décrit, si on veut, l'écran, ça donne l'élément essentiel. Et quand on appuie deux fois sur la touche menu, ça fait l'action du menu. Donc, j'appuie sur menu, on va voir. Croche, Jennifer Pège, tous les titres. A, ah, croche, voilà. A. Ici, à Bloyem Akis. Activez la lecture aléatoire. 0 h 3, 3h20. Donc, c'était Croche de Jennifer, je sais pas quoi, là, mais bon, en tout cas, c'était ça la chanson qui jouait. Et voilà, donc, ça nous permet ainsi d'avoir plus d'informations comme ça. Donc, voilà, je sortais, j'appuie sur Accueil. Accueil, 2 sur 7. On va retourner dans nos applications. Utilisez gauche et droite pour vous déplacer d'un élément descends. à un autre. Man, mes annonces, récent, Amazon Music, mes apps récentes, vos appliques jeux, Prime vidéo. et l'ensemble de mes applications, Prime Video, notre YouTube, CTV, Daz, Twitch, Livestria Multi, Amazon Photo, Amazon Music, TV Network, Fox News. Bon, il y en a plein que j'ai pas ouvert sincèrement encore parce que je la découvre à temps perdu. BBC News, Firefox, Fire TV. Oui, Firefox for Firefox Fire TV. For Fir TV. Notre Donc, prix appuyé sur pour gérer cette application. On a un navigateur. Tout ça, en fait, on a la possibilité d'installer des navigateurs web directement sur la Smart TV, si on veut. Euh, ça, c'en est un que j'ai installé. Ce n'est pas le défaut. By the way, si vous voulez, par exemple, éditer une application, la supprimer, garder. Donc, si je fais juste appuyer sur Menu, utilisez les boutons Web pour parcourir les catégories telles que Nouveautés ou Comédie. Utilisez les boutons gauche et droite pour parcourir les éléments d'une catégorie. Grille de contenu. Vous déplacer sur un élément vous permettra d'obtenir automatiquement des détails comme la description et la note de l'élément après une courte pause. Quand voix sévie est activée, vous pouvez consulter les éléments à l'aide des boutons Avance rapide et Retour rapide, ou arrêter la voix à l'aide du bouton Lecture barre oblique Pause. Firefox for Fire TV. Notre prix appuyé. Sur Bon, OK, voilà, j'ai justement d'appuyer sur lecture pause pour arrêter la voix. Donc, vous voyez, c'est très bien écrit. Menu, ce que ça nous donne, c'est des astuces ou euh, une information qui n'est pas nécessairement facilement visible dans l'écran. Si je double-clique sur Menu, Menu, Options, Options. Déplacer, 1 sur 4. Donc là, voilà. Déplacer si vers l'avant, 2 sur 4. En savoir plus. Désinstaller, 4 sur 4. Donc, euh, voilà, les actions se passent par ici. J'ai appuyé, euh, sur le bouton de retour, on va sortir de Vos là. Vos appliques et Firefox for Fire TV. Voilà, et je continue. Spotify Music. Bellefib TV. Bon, Spotify, on a parlé? Oui, Bellefib Belle TV. Notre prix appuyé sur pour et gérer cette applique. Disponible, voilà, j'ai coupé la parole. Belfib est disponible. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu la tester. Je ne sais pas de quoi elle en ressort relativement à l'accessibilité. C'est peut-être par contre une très belle alternative à euh, l'utilisation de votre terminal Belfib qui n'est malheureusement pas accessible, surtout si vous êtes dans une situation de cécité totale. De mon côté, j'ai un terminal chez Vidéotron, qui explique pourquoi je n'ai pas pu effectuer le test. Du côté de Vidéotron, il n'y a pas d'application Helico, en tout cas de ce que j'en ai vu de disponible pour Fire OS, donc qui est le système d'exploitation de la Firestick. Ainsi, il n'y a pas nécessairement d'alternative facile ou accessible du côté de la Firestick pour remplacer Helico. Par contre, c'est toujours possible évidemment d'utiliser l'application Helico sur votre appareil mobile et de caster vers la Firestick. J'ai vidéotron du côté des terminaux. Par contre, contrairement à Bell, on a Helix euh, qui a été lancé il y a quelques temps, donc c'est tout nouveau. Et euh, j'ai eu la confirmation que Helix euh, sera vocalisé. Euh, donc, que Elix disposera d'un lecteur d'écran qui est communément appelé le guide vocal. Et évidemment, Helix dispose également d'un assistant euh, vocal, donc euh, comparable au, à l'assistant Google ou Amazon Alexa. Donc ce sera possible pour nous d'avoir un accès complet à cette interface. En tout cas, il semblerait. Je ne l'ai malheureusement pas encore vu euh, directement, donc je n'ai pas pu l'expérimenter euh, en face à face. Peut-être qu'il y a certaines lacunes, peut-être que le lecteur d'écran est un lecteur d'écran de base seulement. Malheureusement, pour le moment, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la fonction serait là. Donc euh, éventuellement, euh, si c'est possible de le faire euh, dans ma situation, euh, ça va me faire plaisir de le présenter euh, dans un podcast. Du côté du Canada anglais, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui est utilisé euh, pour l'instant, mais je sais par contre qu'il y a beaucoup plus de terminaux de décodeurs qui fournissent euh, des lecteurs d'écran en natif. Donc, euh, peut-être que vous avez euh, davantage accès au contenu télévisuel que nous au Québec. C'est à voir. Si vous avez des retours d'expérience, ben faites-le savoir, on pourra en parler. Voilà. Amazon Silk Web.tv. Amazon Silk Web Rosé. Donc ça, le Amazon, Amazon Silk, Silk ça se trouve être le navigateur web de Amazon. On va y revenir tantôt parce que je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air sur le web. Ta TV, Blomberg, Tuna Radio. Facebook. Oui, TuneIn est disponible. Facebook. Facebook. Netflix. Netflix. Netflix, je vais faire une petite parenthèse. Netflix, malheureusement, ils intègrent, puis on va le voir un peu comme, euh, on va le voir tout à l'heure, un petit peu comme YouTube. Ils intègrent leur propre lecteur d'écran, ce qui fait que malheureusement, on n'a pas la possibilité, euh, disons-le, d'ajuster euh, nous-mêmes la voix. C'est utilisable. Par contre, étrangement, ça fonctionne en français. En anglais, si votre Fire stick est en anglais, c'est mort. J'ai d'ailleurs communiqué à ce sujet-là avec Netflix et malheureusement euh, je pense en fait qu'ils ont découvert le bug quand j'ai appelé et euh, j'espère qu'ils vont le corriger prochainement. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est mort. Utilisez-le en français, vous allez quand même être capable de l'utiliser. De notre côté, on est chanceux de ce côté-là. Facebook. Ça ressemble pas mal à ça. ouvrir, par exemple Facebook. Facebook juste Notre pour pied montrer, sur pour gérer cette. A... Juste pour vous montrer, pardon, euh, de quoi euh, ça en retourne. Dans le fond, c'est vraiment un volet vidéo de Facebook. Je vais cliquer dessus. Je vais juste Mode baisser web. le son parce que voilà. Ok, parce que bien que ça part, vidéo ça Facebook. va partir. Mode web. Great. Suggestion des meilleures vidéos. 96,9 dollars. La spéciale, demande en mariage de Pierre-Luc Pomerleau. Je suis marié. Bon, oh, yeah. okay. bravo, Donc, oh, ce que oh, c'est, oh, c'est juste appuyer sur pause. Facebook, des fois, on fait on ça. <laughs> OK, c'est bon, je viens de l'arrêter. J'ai euh, tout simplement là, appuyé sur lecture pause une couple de fois. C'est comme si y a parti la musique en même temps que la vidéo. Je sais pas pourquoi. Euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans le fond, euh, ce sont euh, carrément des, des lignes dans lesquelles on peut naviguer. Donc, je vais, par exemple euh, me déplacer. Accueil. Voilà. Donc, à gauche, je suis sur Accueil. Si je me tasse. Suggestion des meilleures vidéos. Voilà. Accueil. Suggestion des meilleures vidéos. Si je me tasse encore. Suggestion des meilleures vidéos. Donc suggestion des meilleures vidéos. Radio Canada information. surenchère pour un immeuble insalubre. Donc c'est toutes des vidéos euh, qui sont suggérées par Facebook et normalement ben en fait si je veux lire, je peux tout simplement pause. cliquer. Voilà, ça vient Il de la partie du mode web. Ça se peut pas. OK, parfait. Pas parce que c'est le plateau <laughs> Non. ne pas 3, 6, là, je ne sais pas. Mode web. Parfait. Vous pouvez nous suivre. Euh, Partager. Fond, donc, Enregistrer. J'aime. J'ai le web. La vidéo. Si je vous dis 700 000 ah bon? Oh. Hein? Mode web. Le courtier de Via Capital Mont-Royal Web. Voilà, bon, on vient d'en sortir. Donc, euh, vraiment, on a toute la possibilité de, de visualiser des vidéos euh, Facebook euh, qui euh, sont partagées, par exemple, par nos contacts euh, de, de cette façon-là. Euh, C'est quand même assez intéressant. Le plateau Suggestion voilà, des je meilleures vidéos. Encore. Accueil. Voilà, accueil, okay, je vais dérouler. En direct. Oh, donc, on peut même aussi voir les, les vidéos en direct. Actualité. Les vidéos d'actualité, mettons, si je m'attends. Programme d'information, mode like web. Donc là, je Programme d'information. Business, inside, etc. Oui, okay. culture. Okay. Donc, c'est les en anglais, en anglais etc. Etc. Voilà, donc je viens de l'enlever. Euh, donc, vraiment, toute la partie euh, vidéo de Facebook se trouve là. Autre chose, évidemment, qu'on pourrait peut-être aller voir rapidement, c'est YouTube. J'appuie sur la touche Accueil. À, accueil, 2 sur 7. Excellent. Euh, Utilisez gauche et magnifique. droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. On va descendre. Go, Facebook, vos applis jeux, Primes vidéo. Parfait, je vais essayer de trouver YouTube. Grave. YouTube. Voilà, juste ici, on va YouTube. cliquer. YouTube. Et c'est là qu'on va Tout voir la clip que du pilote. Euh, 49 YouTube minutes. a son espèce de lecteur d'écran euh, pré-intégré dedans. Donc, si on descend, on va voir la voix. Tout la clip d Donc, c'est un petit peu de temps. De ce côté-là, euh, je vais me tasser pour le phone à gauche. Accueil, Table. Donc, le débit a comme diminué et on est comme prêt avec ça. Si je monte, recherche. Tab. C'est la recherche. Accueil. Tab. Abonnement. Tab. Et là, c'est euh, vraiment tab. Donc tous les onglets de YouTube. Compte. Se connecter. Tab. Ah, et YouTube m'a déconnecté, euh, je pense parce que j'ai changé la langue de ma télé ou quelque chose comme ça, c'est pas grave. Euh, mais euh, oui, malheureusement la connexion est pas très très simple à effectuer avec YouTube, c'est un petit peu un problème. Paramètres. Euh, mais bref, tab. donc c'est là. Com bon, accueil. Tab. On va on va aller dans beta -clac. accueil. Ro Tout la clip d'Yvan. Tête à claque. Donc on me propose un tête à claque. Je vais cliquer dessus pour le fun. Mm. Attention, ça se peut que ça soit un petit peu fort. On va y aller. OK. Hein? Donc là, voilà, c'est la vidéo qui joue. J'ai appuyé euh, sur pause. Voilà, on va l'arrêter. Donc, une bonne vidéo des têtes à claques. Et là, dans l'écran, j'ai différentes la croisière options. tête à claques. Lire, bouton. Sous-titres, Et oui, by the way, euh, c'est possible même euh, que euh, VoiceView puisse vous lire les sous-titres. J'en ai fait l'expérience l'autre fois, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Il y a toutefois un problème assez important avec YouTube quant à effectuer une recherche avec euh, le moteur de recherche de YouTube. C'est ce que je vais aller voir. Donc, je vais sortir de la vidéo, j'appuie sur le bouton euh, de retour. Recommandation. Re Parfait. Ce Parfait. 25 infos. Vais. Accueil. Tab. Parfait, donc me rendre sur mon accueil. Si je monte. Recherche tab. J'ai la tendance. Don donc je me suis tassé deux fois à droite et j'ai mon clavier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer canal dialogue. C but B A Buton. H B but N j'essaie de me dépêcher, excusez-moi, sais que c'est un plate B, C, D, buton, K, buton, J, buton, B, A, suggestion, A, buton, H, A, B, I, J, L, buton, S, A, P, O, suggestion, O, buton, H, buton, suggestion, H, A, B, D, E G buton voilà donc Canada Dialogue est rentré donc j'utilise en fait mes quatre flèches et le enter pour valider je descends single espace buton résultat de recherche Canada Dialogue celle ça c'est la chaîne je me à droite on va écouter qu'est-ce qui va se passer ok lire notes ouais il liste tu peux Smart Speaker Canada Dialogue deux heures et trente et un minutes celle podcast sur les écouteurs AirPods présenté par Canada Dialogue Canada Dialogue 38 minutes, celle. Ah, C'est étrange. On a entendu un podcast en anglais et ensuite on a entendu un podcast énoncé en français. Donc, un podcast en anglais sur la configuration du Google Home et en français sur euh, les écouteurs euh, AirPods d'Apple. Donc, à chaque fois qu'on a un résultat de recherche, ben, on entend deux podcasts. Et pire que ça encore, je vais avancer. Le but du clip. Si je vais avancer encore. J'entends dialogue un le minute, son un centre quand je mets Amazon Smart Mais je suis incapable dialogue de couper la synthèse. Absolument le incapable. Donc là, là ça parle, ça n'arrête pas. Je vais essayer d'appuyer sur lecture Canada pause. 20... Ça ne lâche pas. Donc là, là j'en ai tellement marre que j'ai utilisé le mute de ma console pour vous le couper. Donc, j'ai beau utiliser les flèches, le lecture pause, et peu importe qu ce que je souhaite, ben quoi, c'est impossible en fait de couper la Moses de voix dans YouTube. Si on veut le faire. Donc là, euh, moi, j'ai tapé sur le mute du mixer parce que sinon, on n'aurait jamais pu s'entendre et euh, se parler et vous l'expliquer. Je suis sûr que je démute. mute. Apple, Connected Speaker. Ben oui, à continuer à parler. Euh, C'est un gros problème. J'en ai averti Google, puis ben il s'en lave les mains. C'est malheureux. Je vais attendre qu'elle arrête de parler, puis on va prendre un résultat de recherche, on va cliquer dessus, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Okay? Donc je reviens dès qu'elle a terminé de parler. Elle a arrêté. Je sur la flèche droite. Apprenez à configurer et gérer vos parleurs de la suite Google Home en un tour de main. Dialogue, Deux heures et sept minutes. Le BuzzClip, un détecteur d'obstacles basé sur la technologie ultrason. et 21 minutes, SEL. Bon, encore une fois, est-ce que quand on va appuyer sur Pli, ça va être le Google Home ou ça va être le BuzzClip Clip? Surprise, on va cliquer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent début d'été. Alexandre Delmar et Olivier Danjou mmh, avec vous cette semaine. On boss parle d'un objet qui est commercialisé chez Canadialog depuis bientôt ouais, sans un sans an. Maçon. Il s'agit du boss clip. Ils... Lire, Effectivement, Lire. le boss clip. Là, c'est parce que je l'ai mentionné dans la vidéo. On va essayer pour le fun de trouver le titre de la vidéo qu'on écoute présentement. Je vais faire encore une fois le tour de mon écran. Sous-titre, chaîne, plus, buton. Chaîne, buton, sous-titre. Buton lire buton suivant les dix endroits les plus secrets du monde la lire buton et c'est tout euh, je vais appuyer sur menu comme on le fait dans l'application musique j'appuie il se passe absolument rien ainsi aucune possibilité de voir le titre je vais essayer c'est cliquer sur plus des fois plus buton plus qualité buton plus buton. qualité enregistrer buton j'aime buton je n'aime pas buton. abonner Signaler, buton, commentaire, statistiques avancées, buton. Ben, soit... Suggestion. Je vais me dans des suggestions dont je me fiche. Sous-titres. Ben, ainsi, je ne suis même pas en mesure de voir le titre de la vidéo que j'écoute. Donc, euh, si vous utilisez YouTube, puis by the way, il y a des glitches très, très similaires à ça hein, sur Apple TV. C'est un petit peu moins pire, mais il y a des glitches très, très similaires, entre autres sur Apple TV, puis on le verra éventuellement. Oui, la recherche. Ça va, c'est correct, mais encore une fois, aucune façon d'utiliser convenablement le retard de VoiceOver. Et dans les deux cas, tant la Fire Stick que l'Apple TV, ben, je vous modifie de vous connecter à votre compte YouTube euh, parce qu'on doit se rendre avec un navigateur web sur youtube.com/activate et euh, idéalement rentrer un code euh, qui est affiché à l'écran de la télé. La connexion mobile, ben, franchement, ça marche une fois sur 15, donc euh, c'est n'est pas très, très fiable en ce moment. Et entrer le code, ben, ben, C'est une très, très belle partie de plaisir. Et soit dit en passant, Google Assistance, euh, je les ai appelés pendant l'enregistrement de l'émission. En français, ont refusé euh, d'aider pour rentrer le code, sachant que c'était pas un appareil qui utilisait TalkBack. Donc, j'ai trouvé ça euh, assez euh, moyen, disons-le. Voilà. Donc, pour euh, YouTube, je vais retourner sur mon écran d'accueil et je vais juste vous donner un petit aperçu de Netflix en français. Donc, j'appuie sur mon bouton Accueil. Accueil, deux voilà. récent, YouTube, Netflix. Je vais aller vous chercher Netflix. Netflix. Voici. Ouais, si. Netflix, qu'est-ce qui va se passer? Euh, ça ne sera pas long. Je vais. OK. En fait, il ne s'est rien passé quand je l'ai ouvert. On doit être probablement sur l'écran de profil. Je vais juste savoir à bouger avec mes flèches. Alex, bouton 2 sur 5. Parfait. C'est mon profil euh, parmi les profils de la famille. Je vais cliquer. Sur l'écran parcourir. Dans la rangée sous les projecteurs. Un titre dans cette rangée. Donc, 13 raisons... Je vais dans la section euh, recherche, tamiser. Mais passer complètement à gauche. Et Accueil. Je vais descendre Bouton donc complètement à gauche c'est le menu. Donc, Rechercher. Bouton 2 sur 9. Alex. Bouton 1 sur 9. Voilà, Lui, je change de profil. En haut à gauche, donc voilà, euh, je peux changer mon profil si je descends. Rechercher. Accueil. Récent. Série télé. Et on voit qu'à chaque fois que je descends, 9, là, je ne fais pas exprès. Mais regardez, j'appuie sur la flèche, je vais me rapprocher du micro, on va l'entendre. Film bouton Il y a 6 comme sur un 9. Très, très pour tous les films. Et évidemment, la vitesse a énormément diminué parce que Netflix euh, ne sont pas euh, compliant, ou ne sont pas euh, euh, ne respectent pas, respecte pas quoi les règles du lecteur d'écran. Je continue de descendre ma liste. Ma liste. Bouton 7 sur 9. Je vais appuyer sur OK pour la sélectionner Dans la rangée ma liste. Je vais aller choisir la menthe. Celui aux yeux ci. du monde et de son fils. Elle est un monstre, mais elle est la seule à pouvoir élucider bon. une série Et là, j'ai une espèce de preview qui joue en arrière. Je n'ai pas 2017, de possibilité ni de, Mar, de couper saison, la synthèse ou même d'arrêter le preview. Je vais utiliser encore une fois le mute sur la console parce que j'en ai marre. Euh, donc oui, euh, ça fait partie euh, ça fait partie de la game de Netflix. Donc euh, on, a, on Oui, c'est accessible, mais on manque un petit peu de contrôle sur certaines choses. Donc euh, on va aller cliquer sur la menthe. Je vais démioter et on va aller cliquer. OK, parfait. Sur l'écran des détails de la menthe. Reprendre s et et bouton 1 sur 6. Je vais descendre visionner depuis le début. Bon, je pense Tout que c'est l'option que je vais choisir. Là, ça va être plus facile euh, pour nous autres. Je vais cliquer. Attention, ça se peut que la synthèse parle euh, très, très fortement. Quand, quand je vais cliquer, je vais essayer de baisser le son du mieux que je peux. Mais attention. Lec lecture démarrée. Ah, c'est super. Il okay. reste 55 minutes, 29 secondes. Okay. Appuyez sur OK pour mettre en pause. J'ai eu le petit logo de Netflix et on nous dit d'appuyer sur OK pour mettre en pause. Donc, ça va. Je vais appuyer sur OK. On va en mettre pause. ça en pause. Je vais Il reste sens. 55 minutes, 11 secondes. Et là, donc, euh, appuyer si je sur veux OK pour lancer la lecture. Avoir accès au menu normalement. Appuyer je peux... vers le haut pour plus d'options. Voilà, donc vers le haut. C'est bien détaillé. J'appuie sur vers le haut dans le menu d'options. Audio et sous-titres. Donc, euh, voilà. Appuyez vers le bas cliquer. pour les commandes de lecture. Sous-titres. Voilà. Bouton 1 sur cliqué, 6. Je Désactiver. De Allemand. On va Anglais. De trouver audio. Espa... Français. Italien. Audio. Voilà. Allemand 5.1. Espagnol. Espagnol 5.1. Français description sonore. Donc voilà j'ai même Appui, la description sonore. Français description sonore 5.1. Ah oh, et on le même en Dolby en 5.1. Appuyez sur sélectionner 4. pour choisir. Je l'essayer. Parfait. Audio. Attention. Bouton ça 6 va, sur 12. Euh, parfait. Français. Donc, description je... sonore 5.1. Actuellement okay, non, sélectionné. Reparti. Je vais sortir de là. J'appuie sur le bouton back, donc le bouton de retour, et normalement j'appuie sur play pause. Attention. « Lecture démarrée. Il, Il reste 55 minutes, 11 secondes. secondes. » Donc, ça semble plutôt les bien fonctionner. Entre les piles de planches de bois et les oui. Donc, c'est correct. Je vais Donc, on voit que c'est quand Il reste 54 minutes, 51 secondes. » Bon, Appuyez okay. sur ah. « pour lancer la… » Je ne peux pas arrêter ça. Encore une fois, je vais utiliser le mieux de la console. Donc, on voit que c'est quand même très, très utilisable. Malheureusement, ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, dès qu'on ouvre l'application, tout ce qu'on entend, c'est plus rien. Quand on bouge avec les flèches, donc il y a vraiment un problème de ce côté-là. Mais au moins en français, donc euh, ça fonctionne correctement. C'est un bon départ. Je vais peut-être juste vous montrer rapidement TuneIn Radio tant qu'à y être. Je vais retourner sur l'accueil. Accueil. 2 sur 7. Parfait. Je vais descendre. Euh, on Carnip va aller descend. dans vos applis. Je vais aller vous chercher TuneIn. juste Amazon pour vous montrer TVV. que ça fonctionne correctement. Euh, comment ça fonctionne? Donc, toujours, on va devoir dans le fond Direct. sélectionner la colonne à gauche. Voilà. Je vais descendre. Favoris. Explorer. Rechercher. Réglages. Papier rose. Euh, ça Bal Bouton. Oups. Direct. Ça doit être dans Explorer. Explorer. Voilà. Je vais cliquer. Je vais me tasser à droite. Podcast. Émission débat. Récent. 7 sur 10. En vogue. Actualité. Met au, au milieu Quatre de la couleur. Musique. Voilà, je de, radio locale. Je sur... clique et je me tasse à droite. 90.3 barres vers.

Parfait, je vais l'arrêter. Donc, oui, ça nous a comme nommé un autre nom de station, mais en réalité, ça a bien parti. Euh, c'est quoi, sans problème. Voilà. Donc, euh, je vais retourner sur mon écran d'accueil. Accueil, 2 sur 7. Magnifique. Et la dernière Puis, tu sais chose. gauche et droite pour vous déplacer. La dernière chose, un autre. en fait, que j'aimerais euh, pouvoir vous montrer, c'est euh, le navigateur web intégré. Et en même temps, vous montrer un petit peu comment fonctionne le mode de révision de VoiceView. Donc, Go, Domain, un site récent, YouTube. Voilà, je vais me rendre à. Euh, Utiliser vos sur applis Je jeux, une vidéo. Le Silk. Activité Namco, uh, Spotify, Amazon TV. Amazon Silk, oh, oh, WebRosé. Voilà. Donc, je vais cliquer. Démarrage du chargement de la page. Oh, Netflix. OK. Mode Web. Ah, j'aime ça. Démarrage du chargement de la page. OK. Euh, C'est bon. Donc, là, actuellement, je suis sur euh, Netflix. Normalement, pour avoir accès au menu, je pense que je vais l'appeler en appuyant deux fois euh, sur la touche menu rapidement. Un, deux. Menu. Effectuer une recherche sur le web ou saisir une hurle. OK. Qu'est-ce qu'on a dans le menu? Signé. YouTube Naomi Campbell mise en cause dans la est facile les données. 1 sur 5. C'est quoi ça, Naomi Patton. Naomi Campbell mise en cause dans l'affaire Jeffrey Epstein. Elle riposte. De non-stop et hop, 1 sur 15. Ok, je ne sais pas. Ah, oh, ça doit être des suggestions. Je ne sais pas, je n'ai même pas été là-dessus. Et les... Euh, ok, donc... Naomi signé, YouTube en TV. Hurle, YouTube. Effectuer une recherche sur le web ou saisir une hurle. Donc, je vais cliquer là-dessus. On va se rendre rien de moins que sur Canada Dialogue. Modifier, modifier et modifier. Donc, ce que j'ai, c'est un clavier. Affichage alphanumérique. Effectuer une recherche sur le web. U V U t. Bon, ça peut être un petit peu fastidieux de rentrer les trucs K, avec la t, télécommande. S, R, euh, ce que je vous suggère, c'est que euh, je vais prendre un clavier euh, Bluetooth. Oui, c'est possible d'en coupler un. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez en utiliser un. Alors voilà, j'ai mon clavier Logitech Multisource, donc un clavier Bluetooth qui permet de connecter trois appareils. En fait, c'est magnifique pour la station télé, sachant que ça permet de contrôler mon téléviseur intelligent, mon Apple TV et ma Fire TV. Donc voilà, je suis sur la source. Je vais taper catalogue. G M. Voilà, je vais compléter avec la télécommande. C 3 annuler Allez. Euh, que d'après moi est annuler W ça je pense que 3. non malheureusement 4. bon c'est pas grave, je Allez. vais sur aller démarrage le travail et dans quelques instants la démarrage page du chargement de la page devrait... la prog canadialo demi atteint voilà. perspective partagée mode web la taille actuelle du texte est 100% la taille actuelle du texte est 100% la taille actuelle Bon, parfait. On va euh, fermer sa trappe en appuyant sur le bouton Pause. Et là, comment ça fonctionne? Je vais tenir enfoncé Menu. Mode révision désactivé. OK. On était déjà en mode révision. Oui, euh, Silk nous a mis automatiquement, donc je vais le refaire. Mode révision activé. Le mode révision, c'est ce qui nous permet en fait de naviguer euh, convenablement en utilisant VoiceView. Ça fonctionne un petit peu comme sur Android. Donc, si je descends, En tête. Bien. Contrôle de formulaire Je change le niveau de granularité. Liste. Élément de liste. Caractère. Mot. Élément. Et par ailleurs, c'est de la même façon. Donc, si vous voulez, par exemple, vous faire épeler une icône à l'écran, vous avez la possibilité d'utiliser le mode révision comme ça. En Donc, euh, je vais sur élément. On va avancer. Allez à la navigation. Allez au contenu. Bien. Taille du texte. La taille actuelle du texte. Augmenter les contrastes. Bouton d'activation de dans... l'antichip. Recherche pour modifier, recherche, voir votre panier. accueil canadien, perspective, part, point, à, pro, à propos, lien. Donc là, voilà, le menu. Support, bien Et euh, oui, ben, en fait, il y a certaines parties du menu qui ne sont pas déployées, euh, sachant que le menu se déploie seulement lorsque certains composants sont disponibles à l'écran. Bon, c'est la façon que le site a été conçu. Bref, je vais aller dans En tête. En tête. C'est notre set HD. Pro produits en vedette, région. Nous vous recommandons. Titre 2. Titre. Nouvel événement. Titre 2. Titre. Euh, Nous vous recommandons. Probablement titre que, par 2. exemple, titre. si je veux naviguer par lien. Bien. Budclip 250.00$ plus TX. Bien. Donc, on voit, par exemple, le clip qui est ici. Je vais retourner par la tête. tête. Nouvel événement. Titre Nouvelle 2. Nouvel événement. Nouvel événement. Titre 2. Titre. Configurer un appareil ou en utilisant voix sauvée de façon autonome. C'est possible. Voyez Donc, comment. Titre 3. Je peux 3. voir titre. mes podcasts. Je vais aller cliquer sur le Bien. lien. Lire davantage. Configurer un appareil Io en utilisant voix sauvée de façon autonome. C'est possible. Descendu, Voyez je me comment. Suis à droite et je clique. Démarrage du chargement de la page. La progression voilà. du chargement de la page est de 10 pours. Configurer un appareil Io en utilisant voix sauvée de façon autonome. C'est possible. Voyez comment ouais, tiré un de web. La taille euh, actuelle du texte est 100 Encore la... une fois, je vais appuyer sur Play Pause pour euh, couper la voix et on va aller euh, par exemple par euh, ben tiens, je pense que je vais y aller. Euh, mais il me semble que le pli c'est un bouton. Contrôle de formulaire. Contrôle de formulaire. Augmenter de 25. Diminuer de 20. Augmenter les comptes. Modifier. Recherche. Point. À propos. Bien. Configurer un appareil ou en utilisant voix sauvée de façon autonome. C'est possible. Voyez comment. Titre lire. Bouton. Temps écoulé. Minuit. Temps restant. Barre oblique. Un 2.28. 2.38. Curseur duré au Minuit. Barre oblique. Un 2.28. 2.38. Curseur. Zéro point. Bouton. Afficher plus de commandes multiliste compte Euh. Bien. En tête. élément Bonne écoute. Lire. Bouton. Je vais cliquer. Et normalement, ça devrait euh, démarrer euh, sous peu. Si le player est supporté par Silk, je vais essayer euh, d'appuyer sur le bouton Lecture. On dirait qu'il n'est pas supporté, c'est bizarre. OK, ben dans ce cas-là, s'il n'est pas supporté, ça se peut. Je vais tout simplement. lire. Avancer. lire. Bouton. Ah, euh, je, ok, je pas sur le lire correctement. Voilà, c'est pour ça. Donc là, euh, voilà, le podcast est bel et bien parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Delmar de retour avec vous cette semaine, un podcast super. Donc là, maintenant, car... je peux appuyer, par exemple, sur euh, le play pause. Euh, je sais pas, je vais essayer de lire le bouton. avancé. de bouton. Intelligent d'Apple. Non, ok, je ne peux pas avancer je... malheureusement facilement dedans. Euh, Sachant que ce n'est pas géré euh, par le lecteur. Mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, c'est un beau petit navigateur web. Tu sais, par exemple, si euh, vous souhaitez par exemple, faire une recherche sur Google, vous rendre sur m.facebook.com, ben c'est que, clairement quelque chose qui va fonctionner. Euh, Webbasic.facebook, ça permet quand même d'en faire et tout simplement en utilisant une très petite télécommande. Dernière chose que je veux euh, vous montrer, je vais retourner sur mon écran d'accueil. Lecteur d'écran voix, sauf, sovie, voix, soviet, oui. 1 sur 8. Euh, Qu'est-ce qu'on met de et Caractère. Les... Vitesse de lecture. 1,25 voix, sauvien. Oui. Ah, 1... oh, attends un peu. On ne m'a pas amené sur l'accueil. Mode révision désactivé. Ah voilà, parce que j'étais toujours en mode révision. C'est pour ça que je suis là. Accueil. 2 sur 7. Voilà. Excellent. Là, on Utilisez est bien. Utilisez gauche sur et droite pour vous déplacer d'un exemple, exemple, si je à 1. Vos appuies une exemple, vidéo. Je vais me faire épeler Prime. pour parcourir les J'ai toujours la possibilité d'appeler le mode révision en tenant menu. Mode révision activé. Et par exemple, de trouver caractère. Caractère. Espace. P. R. I. M. E. Espace. V. I. D. E. Oh. Donc, je peux me faire et plein éléments à l'écran. Je désactive le mode de révision. Le mode de révision désactivé. Magnifique. Et euh, oui, donc, dernière chose que je veux euh, prendre le temps de vous montrer, c'est l'espèce le, de petit menu plus simplifié. Si vous tenez accueil pendant environ une seconde et qu'on relâche. 22, 58, appli, bouton. L'heure qui apparaît. Et là, veille, si je veille, me tends à droite, donc applis, appli, veille, 22, 59, partage, bouton, oh, veille, veille, bouton. Veille, voilà. Partage, bouton. Et partage, c'est quoi le partage? Rendre Amazon Fire TV Stick 4K détectable par les appareils à proximité. Donc, ça permet en fait de, par exemple, caster son téléphone Android sur euh, la euh, Fire euh, Stick. Donc, euh, plutôt intéressant de ce côté-là. Euh, vraiment, dans le fond, ça intègre un Chromecast, quoi. Donc, euh, voilà, vous le savez. Par exemple, si je rentre dedans, je vais cliquer. Voilà. Partage d'écran. Donc, en fait, il ne se passera plus rien. Dès que je vais appuyer sur une touche, une flèche, par exemple. « Voulez-vous vraiment quitter le partage d'écran? Oui. Bouton. Ben » Bah voilà, je vais cliquer sur « Oui fermeture, ».« Fermeture du partage d'écran. Veuillez patienter. »« Vos applis et jeux. Prime vidéo. » Et voilà, on m'a ramené à l'accueil. « Utilisez Donc, les euh, boutons web pour parcourir. » Si vous souhaitez euh, lancer le partage d'écran, c'est de la façon que vous le faites. Vous pouvez tenir le bouton Accueil. Euh, est, tout est présent là. Et ensuite de ça, lancer la session de diffusion depuis votre euh, téléphone Android. Voilà, c'est un tour rapide. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, si vous pensez euh, faire l'achat euh, d'un Fire Stick ou euh, par exemple d'un produit Amazon euh, comme ça accessible. C'est. Est toujours possible pour nous de vous offrir de la formation. Le tarif horaire est toujours fixé à 30 plus taxes. Vous n'hésitez pas à nous contacter et on pourra prendre les arrangements nécessaires. Bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. En fait, euh, je serais même euh, intéressé d'en savoir plus, à savoir qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec euh, les téléviseurs intelligents, qu'est-ce que vous trouvez euh, sympathique avec euh, ce genre d'appareil. Euh, je sais euh, qu'il existe maintenant beaucoup, beaucoup de solutions, même par exemple, si vous avez acheté un Fire Stick, euh, que vous avez, euh, par exemple, trouvé quelque chose d'intéressant, n'hésitez ben, surtout pas à nous en faire part et c'est définitivement quelque chose qu'on pourra intégrer lors d'une prochaine émission. C'était Alexandre Bellemare et moi je vous dis à la prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site Web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français-Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un S .com, soit P-O-D-C-A-S-T-S c a n a d i a l o gcom Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003 888 730 0003, le poste 555. Poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.